Atisa Kyak, Yetu Ninaf, Atricono, Agiane Hediro, Yo, Agatu Ian, Ihetu Nezuna, Arakulo, Kutiu, Otiana Lisomakura Le Letu, Arake. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur un jeu culte de la PS4, j'ai nommé The Last Guardian, sorti fin décembre 2016, donc très récemment, fait par la team Fumito Ueda. Donc par Japan Studio Sony là, Sony Japan Studio, et c'est vraiment un jeu culte hein, comme de ses deux prédécesseurs, ce The Last Guardian, car oui, Japan Studio Sony ont créé à l'époque Ico, sorti en 2002 sur PS2, et Shadow of Colossus sur en 2006 sur PS2. À la fin de l'ère 128 bits, si je puis dire. Chacune de ces œuvres à Fumito Ueda, en tout cas ces trois œuvres principales, je sais pas s'il a créé d'autres choses, autre chose, je suis pas assez cultivé pour le savoir. En tout cas, ces trois jeux sont vraiment des jeux exceptionnels, avec une ambiance vraiment unique, et c'est ce qu'on retrouve que très rarement en ce moment, depuis l'ère PS3 360, c'est vraiment, il y a beaucoup moins, il y a certes des très bons jeux, mais de là à dire des jeux cultes, avec une ambiance unique, dans un monde onirique, etc. C'est très rare, hein. Alors que sur console 128 bits, il y en avait quand même pas mal. Dont Ico et Shadow of Colossus, qui sont des jeux inoubliables. Et ce The Last Guardian est vraiment aussi culte que ses deux prédécesseurs, et aussi réussi, voire plus réussi que Ico, car il reprend beaucoup les mécanismes de Ico, mais ça j'en reviendrai plus tard. Mais donc pour ceux qui n'ont pas vu les trailers, pour ceux qui n'ont pas vu les trailers, les gameplay à l'E3, ou etc., sur YouTube, n'importe, eh bien, pour les rares, hein, ceux qui habitent dans une grotte, tout simplement, eh bien, je vais vous expliquer le concept, hein, grosso modo, de ce The Last Guardian. En tout cas, niveau gameplay, on contrôle un petit garçon qui est avec une grosse bestiole, mi-chat, mi-chien, mi-aigle, enfin plein d'animaux différents, mais franchement, une créature vraiment magnifique. Et franchement, ils se sont pas... Fumito Ueda ne s'est pas du tout loupé à ce niveau-là. Le design de la créature Tricot, voilà, le nom de la créature Tricot, son design est vraiment exceptionnel. Et même ses animations, j'en reviendrai plus tard, mais franchement, c'est vraiment impressionnant. Et donc, on contrôle un petit garçon, l'IA contrôle Tricot. D'ailleurs, on ne saura jamais le nom du petit garçon, hein. Je tiens à le souligner, c'est un spoil. Attention. Et donc, tout simplement, on déambule dans un monde, on est perdu dans un monde immense, d'une immensité sans pareil. Je ne sais point si ça se dit. Et voilà, la plupart dans tous les jeux de Fumito Ueda, les trois que je vous cite, à chaque fois on est dans un monde vraiment immense, une immensité sans pareil, et on se sent vraiment tout petit dans ce monde, qui est vraiment impressionnant, avec toujours une DA magnifique, une direction artistique du feu de Dieu. Et en gros, dans ce monde magnifique, on doit résoudre des énigmes, différentes énigmes. Bon, le problème des énigmes dans The Last Guardian, c'est que elle commence quand même un peu à se répéter par la suite. Mais après, c'est pas non plus un gros point faible. C'est à des rares moments, on peut
peut-être s'ennuyer, mais bon, c'est quand même très rare, car sinon on s'imprègne complètement dans cette ambiance onirique, voilà, que procure ce jeu. Donc voilà, on résout des énigmes avec une IA qui nous aide. Et cette fois-ci, l'IA n'est pas... c'est pas un poids, c'est pas un poids l'IA, là. Là, c'est vraiment une IA qui nous aide et qui ne sert pas... Ce n'est pas un simple objet, quoi. Pas comme dans Trico, j'allais dire. C'est magnifique. Dans Ico, on est avec la jeune fille. En tout cas, moi, j'ai pas fait le jeu, mais d'après ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas le jeu. Le seul jeu que j'ai de chez Japan Studio, c'est celui-ci, c'est The Last Guardian. Car voilà, hélas, Shadow of Colossus et Ico sont des jeux très rares et donc très chers. Donc peut-être qu'un jour je pourrais m'y tâter, mais voilà. J'avais juste testé comme ça sur un PS2 d'un pote. Et voilà, Ico, le problème... Enfin, en tout cas pour Shadow of Colossus. Sinon, Ico, je l'ai vu juste sur Dailymotion ou YouTube. Voilà, j'ai pas vu le jeu tourner en vrai sur la PS2. D'après ce que j'ai vu, Ico... T'es toujours avec une fille, c'est à moitié un boulet. Un peu comme Ashley dans Resident Evil 4, vous voyez. C'est une fille que tu dois toujours protéger. Et tu peux résoudre des énigmes avec elle, mais c'est des énigmes assez simples. Par exemple, tu la poses sur un interrupteur. Toi, tu vas sur l'autre interrupteur. Enfin, vous voyez le genre, hein, vous voyez le délire. C'est des trucs très simples. Alors que là, ils ont fait... ils ont repris le principe d'Ico... mais en bien mieux dans The Last Guardian. C'est super impressionnant, il y a quand même pas mal d'énigmes, franchement bien trouvées. Après le problème, voilà, c'est qu'elle se répète. Donc voilà, donc on va parler un peu de la technique. Alors ça a fait beaucoup polémique. Je prends un accent du sud. Ah oui, ça fait beaucoup polémique, c'est ça. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, sur la technique. Alors il y en a plein qui disaient que ça ressemblait à un jeu de PS3. Oui, ils vont peut-être un peu loin. Parce que bon, moi quand j'entends dire que Uncharted 4 est le plus beau jeu de la PS4, mais mon dieu, c'est le plus beau jeu du monde. Ça défonce Far Cry 4 sur PC, voilà. Ça veut rien dire. Non mais voilà, ça va trop loin quoi, alors que The Last Guardian, je trouve qu'il est complètement sous-estimé à ce niveau-là, parce que niveau architecture, de toute façon vous le voyez, je vais vous mettre en même temps... quelques gameplay que j'ai pu capturer. Bon, ça a été assez laborieux d'ailleurs de capturer sur la PS4, hein, à cause de cette connerie d'HDCP bidule chouette là. Mais bon, ça c'est, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais voilà, comme ça je peux vous proposer, parce que sinon on peut capturer sur la PS4. J'étais assez étonné avec le système share. Je fais un peu de pub. Donc oui, le système share permet de capturer en 720p, mais pas en 1080p, on peut pas. Donc en 720p, quand même d'assez bonne qualité, sans passer par un boîtier d'acquisition. Donc pour ceux qui n'ont pas de boîtier d'acquisition, c'est plutôt sympa. Mais après, le problème, c'est qu'on peut capturer que pendant 15 minutes, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas de boîtier, quoi. C'est bien pour ceux qui ne veulent pas investir pas mal d'argent sur un bon boîtier, voilà. Et bon, vu que moi c'est pas le cas, vu que moi j'ai un bon boîtier pour faire de 1080p, pour vous proposer une bonne qualité, eh bien évidemment, hein, je préfère passer par mon boîtier. Et donc j'ai eu une technique assez particulière pour que ça marche. Pas besoin de splitter, hein. Faut pas acheter un splitter. Pas besoin. Enfin, si vous avez une autre console qui a un port, qui a un câble HDMI. En tout cas, moi, ça a marché. Vu que j'ai ma Wii U à côté, j'ai pris le câble HDMI de la Wii U et je l'ai remplacé et je l'ai mis parce qu'il faut avoir deux câbles HDMI. Donc j'ai mis le câble HDMI PS4 plus câble HDMI en sortie câble HDMI Wii U et ça marche nickel. Alors que quand j'utilisais le câble HDMI offert, le câble HDMI de la Vermedia, du boîtier d'acquisition, ça ne marchait pas.
Ça me mettait protection HDCP, etc. Alors peut-être que le câble HDMI de la Wii U a un système HDCP, je sais pas quoi, bidule chouette, hein. Peut-être, mais ça veut dire que quand ils nous vendent le boîtier d'acquisition, c'est pas un véritable câble HDMI qu'ils nous vendent. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Non, voilà, parenthèse fermée. Ouais, c'était une petite astuce pour pouvoir filmer sans splitter, voilà, sans devoir acheter un splitter, passer par un splitter. Parce qu'en plus, quand on passe par un splitter, faut avoir encore en plus un câble HDMI en plus, donc c'est le bordel dans les branchements. Donc voilà. Alors, où en étais-je? Oui, au niveau des graphismes. Voilà, architecturalement, vous voyez, ça pète quand même. On se dit, ça peut pas tourner sur PS3, c'est pas possible. Alors oui, il y a certaines textures, comme les textures au sol. On peut dire, oui, c'est flou, sur PS3 ça aurait pu tourner, oui. Bien évidemment, il y a quelques fois des ratés. Mais c'est quelques fois, quoi. La plupart du temps, c'est... Techniquement, quand même, le jeu en jette. Alors certes, il y a moins d'animation, il y a moins de trucs qui se passent autour de nous. Parce qu'évidemment, on est quand même dans un monde onirique, et dans un monde où on s'est perdu, un monde abandonné, où il y a des vieilles architectures, des temps anciens. Alors que dans Uncharted 4, c'est un monde simple, on est dans un monde, par exemple dans des villes, enfin etc. Vous voyez, donc après c'est logique qu'on dise que techniquement, blablabla, Uncharted 4, il est mieux parce que voilà. Mais franchement, pour moi, c'est pas comparable. C'est pas possible. On peut pas comparer les deux titres. Donc après oui, il y a des gros problèmes de framerate par moment, mais franchement c'est par moment. Après moi j'ai une PS4 Slim pour info. Et il faut savoir que la PS4 Slim a un processeur qui chauffe pratiquement pas, et qui fait pas du tout de bruit. Donc il y a des rares occasions où le jeu risque de vraiment ramer, sévère. Mais il n'y a jamais eu de freeze. Alors que sur la version PS4 normale, vu que la PS4 elle date déjà un peu et qu'il y a toujours des problèmes inhérents à cette PS4, c'est le processeur qui chauffe assez souvent. Et quand ça chauffe trop, il risque d'avoir des freezes de 3 secondes. Donc voilà, c'est pas très agréable. Et je peux voir que dans The Last Guardian, sur PS4 normal, ça rame à fond, hein, dès le départ. Quand même des beaux moments où ça rame à fond. Donc moi j'ai eu la chance de pas acheter la PS4 de base à l'époque. Et d'acheter la PS4 Slim avec The Last Guardian. Voilà, très bonne affaire. Et le jeu au tout début, voilà, tourne vraiment en 30 FPS. Constant, voilà, il n'y a pas de problème. C'est à partir de, oui, quand on est dans un monde assez ouvert, où il y a pas mal de trucs à afficher à l'écran, là, et en plus Trico qui se met à sauter partout, là ça commence un peu à ramer. Mais voilà, après c'est pas gênant, je trouve, dans ce genre de jeu, où c'est plus des jeux contemplatifs et aussi des jeux à énigmes, aventures. Dans un jeu, par exemple, dans un jeu de plateforme, là c'est pas possible, c'est pas gérable. Dans un jeu de plateforme, pour moi, minimum faut du 60 FPS. Hein. Enfin non, minimum 50 FPS et maximum 60, voilà. Parce qu'au-dessus de 60, je vois pas la différence. Mais voilà, on peut pas mettre du 30 FPS dans un jeu de plateforme, c'est pas possible. Enfin, pas maintenant. J'ai vu ce que ça donnait, par exemple, pour Ratchet & Clank, et voilà. Ratchet & Clank sur PS4... Bon, le 30, ça va, mais... Tu sens quand même que, dans un jeu de plateforme, c'est quand même pas si agréable que ça. Après, on s'y habitue, mais il faut avoir à peu près 30 minutes pour s'adapter. Quand on a fait, juste avant, un petit Mario en 60 FPS. Enfin voilà. Mais voilà, tout ce qui est technique, voilà, c'est quand même pas comme ce qu'ils disent sur internet à la plupart des communautés de ce jeu. C'est niveau technique, les gens ils ont pas trop raison, quoi. Sinon,
je voulais parler de tricot. Alors tricot, mais tricot. Voilà encore une autre raison de dire que le jeu n'aurait pas pu sortir sur PS3 à l'époque. En août. Le premier trailer qu'on avait vu, c'était en 2009 sur PS3. Mais c'était un trailer, évidemment, c'était fait sur ordinateur à l'époque, et donc on aurait. C'était pas ce que faisait la PS3, voilà. C'était une version bêta comme ça qu'ils avaient montré, genre comme font Ubisoft à chaque fois, sauf que Ubisoft ils tiennent pas leurs promesses. Ils nous font des graphismes de ouf pendant le trailer, puis après pouf, downgrade, et là, bon bah c'est un jeu passable, c'est un jeu de PS3. Un jeu de PS3 sur un jeu de PS4. Watch Dogs, bonjour. Je trouve que c'est vraiment de ce côté-là, Fumito Ueda n'a vraiment pas du tout menti. C'est les trailers qu'on voyait en 2009, bah c'est vraiment ce qu'on voit maintenant. C'est aussi beau que ce qu'on voyait dans les trailers. Et oui, pour en revenir à Tricot, parce que j'étais parti en n'importe nawak, eh bien Tricot est vraiment parfaitement bien modélisé. J'ai jamais vu une créature imaginaire ou même un animal comme ça dans un jeu vidéo aussi bien réalisé. Là, j'ai l'impression que c'est de l'image de synthèse. C'est pas possible. On a l'impression de voir de l'image de synthèse, que c'est pas du temps réel. Mais alors que si, c'est du temps réel. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un tour de force de Fumito Ueda. Et on peut comprendre, et de son équipe. Et on peut comprendre qu'il y a des moments, enfin, c'est surtout quand Tricot est en train de sauter, ou quand il y a les grandes animations de Tricot, bien, le jeu se met à ramer. Voilà. Mais ramé, il passe de 30 à 20 FPS, à des rares moments à 15 FPS, quoi, pendant 3 secondes. Mais après, voilà, ça repart quand même vite à 30 FPS, c'est pas non plus injouable, en tout cas sur la Slim. Et je vais pas parler de la version Pro, évidemment. La PS4 Pro, elle propose du 30 FPS constant, hein, la plupart du temps. D'après ce que j'en ai vu. En tout cas en 1080p, sinon en 4K, et ben, il y a des moments lag comme sur Slim, finalement. En 4K. C'est par de 30 à 20 FPS. Donc après, pour en profiter pleinement, hein, jouez-y sur PS4 Pro, voilà, vous aurez moins de lag. Mais bon, après, moi, franchement, moi, je compte pas m'acheter une télé 4K, hein, ou en tout cas, ça sera dans des années. Et donc, si la PS4 Pro ne propose pas du 60 FPS à chaque jeu qui sort dessus, enfin, à chaque jeu retouché sur PS4 Pro, enfin retouché entre guillemets, parce que franchement on voit à peine la différence entre une PS4 normale et une PS4 Pro en 1080p. Ben franchement, voilà, ça, pour moi ça sert à rien, quoi, la PS4 Pro. Le framerate, on gagne quoi, 5 FPS, c'est super. Donc oui, le seul jeu qui est vraiment mieux d'avoir sur PS4 Pro, c'est The Last Guardian. Sinon les autres jeux, autant les avoir sur PS4 Slim, quoi. Un PS4 normal aussi. Mais bon, il y a plus trop de packs avec PS4 de base, hein. Je crois qu'on voit que des Slim maintenant. Et sinon, voilà. Voilà mon point de vue pour un PS4 Pro, franchement. En plus, j'ai aussi. Enfin, ceux qui me suivent pas mal, j'ai aussi un très bon PC. Donc, PS4 Pro, c'est plus pour ceux qui n'ont pas de PC, qui n'ont pas un PC de la mort, et qui veulent se faire plaisir sur console. Voilà, pour moi c'est plus ça. Donc voilà, là en ce moment, je vais baisser un peu le son, parce que je regarde en même temps le gameplay que j'ai enregistré, et voilà, c'est aussi pour vous dire qu'il y a des moments où il y a des moments stressants dans le jeu, enfin stressants entre guillemets. Le jeu essaye de vous faire stresser à des moments où il se passe des choses surprenantes, comme par exemple l'effondrement d'une plateforme, et vous devez trouver un moyen de vous sauver, et de sauver Tricot par la même occasion, évidemment, votre fidèle compagnon. Et le problème, par contre, de ces phases, voilà, le gros point faible de ces phases d'action, entre guillemets, de surprise,
bien c'est que on ne peut pas mourir. Parce qu'il y avait quelques moments où je mettais énormément de temps à comprendre l'énigme, à savoir comment se tirer de là. Mais voilà, on voyait Trico en mauvaise posture à côté, mais il restait toujours comme ça, quoi. Il y a des moments où j'étais en train de réfléchir pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Bon, j'exagère peut-être, 5 minutes, voilà, mais voilà, rien que ça, 5 minutes, pendant que Trico est toujours accroché à galérer, à mettre ses petites pattes là où il faut, voilà, quoi. Je trouve que c'est assez dommage que ça soit pas timé pour nous faire... ça nous fait stresser, mais entre guillemets, finalement. Ces phases-là auraient pu être vraiment sympas si y avait un game over, si on était trop lent. Bon, de ce côté-là, après, évidemment, c'est pas un jeu difficile. C'est un jeu plus contemplatif de ce côté-là, avec des énigmes. Un peu retors, on peut rester coincé quand même un bon moment. Et je vais vous dire d'ailleurs, il y a eu deux énigmes, dont une où j'ai regardé sur internet. Mais il y en a une, ça va, hein, j'ai pas honte hein, de le dire que j'ai regardé sur internet. Parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui ont regardé, c'est pas possible. C'est une phase où, de toute façon, je vais vous mettre à ce moment-là. C'est une phase où. Le petit garçon est coincé, enfin on est coincé sur une branche. On est accroché à une branche d'un arbre. Et Trico est juste en face de nous. Trico doit donc trouver un moyen de nous sortir de là. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps nous? Eh bien en fait, il faut juste gigoter comme un con. Je le dis clairement. Comme un con. Il faut gigoter. Et appuyer plein de fois sur R1 pour pouvoir appeler Trico. Voilà. C'est aussi simple que ça, et faire ça pendant longtemps, par exemple. Pendant 3 minutes, non-stop, tu l'appelles non-stop, le Trico. Et au bout d'un moment, il va comprendre, et il va trouver la solution en faisant avant deux tentatives qui échoueront. Mais voilà, au bout de la troisième tentative, là, il réussit à nous sortir de là. Donc ça, par contre, j'avais regardé sur le net, parce que à un moment, je gigotais partout, mais j'arrivais pas, enfin, il venait pas, quoi. Et après, j'avais regardé sur le net, et en fait, il fallait que je continue à faire le coup. Ok. D'accord. Sinon, la deuxième énigme, c'était une énigme... On était tombé... Enfin, je pense que je vais essayer de retrouver cette énigme-là. Je sais plus si je l'avais filmé. Parce que j'ai pas filmé non plus tout le jeu. Ça ferait très lourd. Je pense que j'ai enregistré cette partie-là. C'est quand on est sur l'eau. À un moment, il y a Trico juste au-dessus. Avec une marmite qui nous empêche de trop voir Trico, finalement. Mais on peut voir qu'il peut passer sa queue par ici. Pour qu'on puisse s'accrocher de sa queue. Le problème, c'est que il faut trouver un moyen de pouvoir s'accrocher à sa queue, sachant que on peut que nager, quoi. Il y a que de l'eau en dessous. Et évidemment, il y a une caisse. Faut mettre la caisse dans l'eau pour qu'elle flotte, et puis après, vous avez compris la suite, je suppose. C'est pas bien compliqué comme ça. Donc voilà, ceux qui n'ont pas fait le jeu, hein, voilà, il y aura quand même beaucoup de spoils. Hein. Au niveau des énigmes, peut-être un peu. Puis au niveau, voilà, tout ce qui est... je vais pas vous raconter grand-chose au niveau de l'histoire. Je préfère... après, à vous de voir des let's play, ou tout simplement à vous de faire le jeu de votre côté. Sinon... je vous montrerai surtout des moments histoire du jeu. Il y a quelques cutscenes, il n'y en a pas beaucoup des cutscenes dans le jeu. Mais il y a quelques cutscenes qui racontent pas mal l'histoire. Toujours de façon très Ico, très Shadow of Colossus, toujours. Hein. C'est très peu de dialogue. Mais on montre beaucoup de choses, voilà.
Et voilà, le jeu nous passe des messages comme ça. C'est juste. J'ai envie de dire, c'est un peu comme BioShock. Par des images, ou par. Oui, par des images, on doit comprendre l'histoire. Et il y a très peu de dialogue. Enfin, même si dans BioShock, il y a quand même beaucoup de dialogue. Mais dans. Voilà. The Last Guardian, il y en a très peu. Et l'histoire est assez complexe, finalement. Elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que, de base, on le fait la première fois, le jeu, voilà, on se dit... c'est d'un côté, c'est une histoire simple, mais très émouvante, avec une putain d'ambiance. Tu vois, c'est vraiment un jeu inoubliable. Et ça, je vous le dirai vraiment pourquoi ce jeu est inoubliable par la suite. J'aurais dû d'ailleurs en parler plus tôt avant, mais bon, je préfère, voilà, c'est vite parti en freestyle. Enfin, comme d'habitude, j'avais voulu vous dire quelques trucs avant, voilà, quelques parenthèses, évidemment, comme d'habitude, hein. Le mini tuto déguisé sur l'HDCP. Mais bref, voilà, donc au niveau de l'histoire, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais j'en dis pas plus. Donc voilà, au tout départ, évidemment, on est... Enfin, je crois que j'ai déjà dit, on est un petit garçon. On s'est paumé. On ne sait pas ce qu'on fout à côté de Tricot. Et donc le petit garçon, avec Tricot, vont retrouver leur chemin... Parce qu'en fait, l'objectif du jeu, finalement, c'est de sortir de cet endroit immense. Car autour de nous, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs architectures anciennes. Et il y a surtout, on est enfermé par des falaises. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, Tricot va un petit peu réapprendre, enfin plutôt, ses ailes vont guérir. Et donc il va pouvoir voler comme avant, parce qu'avant il s'est blessé d'une manière pour qu'il puisse plus voler. Oula, je ne sais plus parler la flance. Enfin, il commence à être tard. Voilà, il était blessé. Mais après, je vais vous montrer le passage où il a été blessé. On comprend vite comment ça s'est passé. Le problème, c'est que là, c'est à peu près à 5-6 heures de jeu qu'on voit ça. Donc c'est vraiment à 5-6 heures de jeu qu'on comprend pourquoi on est là, que l'histoire arrive vraiment. C'est au bout de 5-6 heures de jeu. Car le jeu dure à peu près une dizaine d'heures, hein, à peu près. Je crois que j'ai mis 13 heures à peu près à le finir. Je sais pas, je vous dis à peu près comme ça, hein. 10-15 heures. Donc voilà, du niveau durée de vie, c'est quand même une durée de vie classique. Je dirais que c'est une bonne durée de vie pour un jeu comme ça. Ni trop long, ni trop court. Ce qui est étonnant aussi dans ce jeu, c'est que on s'attache vraiment énormément à cette bestiole qui est Tricot. Qui est mi-chat, mi-chien, mi-lion, mi-aigle, mi-je sais pas quoi. mi-plein d'animaux différents. Plein d'inspiration. Et voilà, c'est vraiment une bestiole très réussie, quoi. C'est au niveau de sa DA, c'est super impressionnant. Et on s'y attache vraiment. On a vraiment l'impression que c'est notre animal de compagnie. Virtuel. Attention. J'ai l'impression que c'était ma 1000K2, vous voyez. Quand même. Et plus on avance dans le jeu, plus de... En fait, ça dépend de la manière dont vous vous comportez avec Tricot. Plus il va vous obéir. Moins il va mettre de temps à vous obéir et tout. Si vous êtes gentil avec lui, si vous êtes ronron, si vous lui donnez à manger. C'est un peu Nintendo, ça. Mais voilà, si vous lui donnez à manger, si vous lui faites des petites papouilles, des petites caresses. Voilà, si vous êtes tout ronron. Bah, je pense que vous allez résoudre les énigmes assez rapidement. Donc voilà, après il y a eu beaucoup de joueurs qui... ça a fait polémique, ça. Il y a eu beaucoup de joueurs
qu'il y avait pas mal de petits soucis avec l'IA de Trico. Quelques blocages. Et d'ailleurs, j'ai pas fini d'en parler sur les deux énigmes où j'avais galéré dans le jeu. Enfin, il y en a d'autres aussi où j'ai galéré, mais bon, un peu moins. Mais alors la première énigme, c'était, je vous ai déjà expliqué, c'était sur la branche. Et la deuxième énigme, celle-là, par contre, c'était vraiment de la faute de Trico. Honte à toi, Trico, honte à toi. Sinon, toutes les autres énigmes, hein, évidemment, ça venait de moi. Hein. Il y avait des fois, j'étais bloqué à fond pendant 20 minutes. À pas savoir ce qu'il fallait faire. Mais voilà, là, c'était totalement de ma faute. Mais par contre, la seule énigme où c'était pas de ma faute... Oui, attention. Je vais dire du mal sur l'IA. Enfin, le seul point faible, voilà, entre guillemets... C'est que Trico n'a pas voulu passer, enfin, fallait être un endroit exact pour qu'il passe sa queue tranquillement, alors qu'il y avait plein d'autres endroits où il pouvait passer sa queue, quoi, enfin, même on voyait des fois sa queue passer, mais après il ne restait pas, il nous attendait pas, et ça c'était vraiment relou, mais bon, j'ai mis à peu près, je dirais 10, au pire 15 minutes, non, 10 minutes quand même, à attendre que Trico mette bien sa queue là où il faut. Voilà, pour que je puisse remonter. Donc ça, voilà, c'est le seul moment où j'ai trouvé que l'IA était un peu perdue. Mais sinon, franchement, l'IA de Trico est vraiment très développée. J'ai jamais vu une IA aussi développée dans un jeu vidéo, hein, tout simplement. C'est simple. Depuis l'IA de Far Cry 1. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, IA impressionnante? Avant, il y avait l'IA de Half-Life 1. Une IA méthodique, assez impressionnante. Pour l'époque. Bon, après, il y avait beaucoup de soucis quand même par la suite. Mais voilà, c'était assez impressionnant pour l'époque. C'était une première. Après, il y a eu l'IA de Far Cry 1. Vraiment bluffante aussi, qui a donné beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Mais sinon, après Far Cry 1, y a rien eu. Hein. Y a même certains jeux comme par exemple les Call of Duty ou les Battlefield où c'est une catastrophe, l'IA, une véritable catastrophe. Ils mettent c'est Scriptland, mais c'est tout, quoi. Dans Far Cry 1, au moins c'est des scripts, mais que l'IA piochait en fonction de comment le joueur jouait, en fonction de du gameplay. En fonction de... Après, je trouve pas les mots. En fonction du joueur, en fonction des déplacements du joueur, eh bien, l'IA fonctionnait ainsi. Alors que dans Battlefield ou dans Call of Duty, t'avances, et l'IA, même si t'avances trop loin, eh bien, l'IA, des fois, elle fait pas attention à toi, et elle s'en fout, quoi, elle passe devant toi, comme ça. C'est un peu bête, quand même. C'est ce qui s'est passé dans Battlefield. C'était magnifique. Et sinon, il y a d'autres... Après, il y a d'autres FPS. Je parle surtout des FPS parce que c'est là où l'IA est plus importante. Et voilà, dans les... Il y a aussi, par exemple, Resident Evil 5, où on avait une IA aussi, c'était Shiva Alomar. Une véritable catastrophe. Voilà. Enfin, une véritable catastrophe. C'était compliqué, quoi, parce que... C'est pas non plus une IA méga développée. Puis voilà, ce que je voulais dire, c'est que après Far Cry 1, finalement, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu certains jeux où l'IA était du même niveau que Far Cry 1, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu après des évolutions. Et on voyait toujours quand même les problèmes inhérents de l'IA. De l'intelligence artificielle. Alors que là, dans The Last Guardian, il y a eu vraiment un boulot énorme là-dessus. C'est aussi à base de, en fonction des déplacements du joueur, comme dans Far Cry 1. Mais surtout que plus on avance, plus l'IA se développe. Plus Trico commence à nous connaître et commence à savoir ce qu'on veut.
Ça, c'est vraiment c'est super épatant. Et plus on avance, voilà, plus Trico s'attache à nous. Et inversement, tout simplement. Ça, je trouve que ça a été vraiment parfaitement bien maîtrisé. C'est vraiment pour ça que ce The Last Guardian est vraiment original dans son concept. N'empêche, rien que sur le papier comme ça a l'air simple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça veut dire. Sur le papier, voilà, c'est fait une IA qui nous aide, une IA qui nous aide à résoudre des énigmes, mais qu'on peut résoudre que si on est complètement en accord avec l'IA. Voilà, sur papier quand même ça fait bien, ça fait propre et tout, mais après c'est compliqué à rendre ça parfaitement. Il y a eu beaucoup de jeux, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de jeux qui ont essayé de faire ça, mais la plupart ils se sont viandés quoi. Ou même d'autres ils n'ont pas pris de risques. Et par exemple comme Resident Evil 4 où il y a Ashley qui est juste un pot de colle qui reste avec nous. Voilà. C'est une IA qui sait juste nous suivre. Ça a été toujours comme ça jusqu'à maintenant. Et moi franchement je trouve que ce The Last Guardian peut vraiment apporter beaucoup d'idées pour les prochains jeux à l'avenir. C'est vraiment un nouveau concept. Résoudre des énigmes avec une IA qui se développe au fur et à mesure du jeu. Et ça, c'est là-dessus, The Last Guardian, voilà, il s'est vraiment pas viandé, c'est super impressionnant. Il n'y a rien à dire. Voilà, après, je me répète. Mais voilà, The Last Guardian, au niveau de la direction artistique, au niveau de la technique pure, même s'il y a quelques ratés sur certaines textures, mais franchement, il fait honneur à la PS4. Et franchement, je trouve qu'il n'a pas du tout à rougir en face d'un Uncharted 4. Hein. Franchement, je le dis clairement. C'est vraiment. À ce niveau-là, il est vraiment sous-estimé. Et puis mon dieu, jeuxvideo.com, mettre un 14 sur 20 sur un jeu comme ça, alors qu'ils mettent un 17 sur FF15, là c'est pas possible. C'est pas possible. FF15, mais mon dieu, les nombreux points faibles qu'il a ce jeu. Donc évidemment, chaque jeu a des points faibles, hein, comme The Last Guardian, c'est quoi son point faible? C'est un petit peu la répétitivité des énigmes, même si c'est pas non plus choquant, parce qu'il y a pas non plus énormément d'énigmes qui se répètent à fond. Mais il y a quand même pas mal d'idées qui reviennent. Mais sinon, c'est vraiment, il a vraiment peu de points faibles. On peut dire peut-être quelques bugs au niveau de l'IA de Trico, pour certains. Mais moi, en tout cas, je sais pas, j'ai eu de la chance, j'en ai eu qu'un. Voilà, peut-être que j'étais complètement en accord avec Trico à chaque fois. C'est peut-être ça, hein. On est un très bon binôme, hein. Attention. Une très bonne équipe. On peut déjouer toutes les énigmes au monde. Plus rien ne peut nous arrêter. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a quand même un truc assez irréaliste dans The Last Guardian. Mais bon, ça, je pense que c'est voulu. Les sauts de Trico. Alors oui, il fait des sauts gigantesques, et parfois même on est persuadé que c'est pas possible, il peut pas sauter ici. Eh ben si. Tu fais un bond de 10 mètres, normal. Oui, tout à fait. Un bond de 10 mètres complètement vertical, oui. Et dans un endroit assez cloisonné. C'est assez peu commun. Mais bon, après, soit, hein. Après tout, il cède un peu de ses ailes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, après, j'ai vraiment pas parlé. Et au niveau du gameplay, alors le gameplay de The Last Guardian est très simple. C'est-à-dire que le bouton carré, alors à quoi il sert le bouton carré? Il sert à pousser des objets, ou des fois à pousser Trico s'il nous gêne. Voilà. Le bouton croix.
Alors la croix permet juste de lâcher prise. Triangle permet de sauter. Alors oui, je pourrais vous dire aussi oui que les boutons sont quand même assez mal placés par contre à ce niveau-là. C'est un peu un bémol. Mais bon, après on s'y habitue. Donc triangle pour sauter, rond pour s'accrocher à diverses choses, comme par exemple, je dis n'importe quoi, voilà, une échelle, ou sur le pelage de tricot, voilà, pourquoi pas. Ce qui fait d'ailleurs penser beaucoup à Shadow of Colossus pour le coup, parce que monter sur une créature géante et onirique et magnifique au niveau de la DA, évidemment, ça fait penser à Shadow of Colossus. Mais voilà, c'est le seul point qui me fait penser à Shadow of Colossus et aussi le monde immense que procure The Last Guardian. Sinon, voilà, c'est The Last Guardian fait plutôt penser à Ico, pour le coup. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du gameplay? Bah, c'est tout. Après, on peut appeler Tricot avec R1. L1 permet de recentrer la caméra sur Tricot. Parce que il y a quand même énormément de moments où on admire les animations de Tricot. C'est quand même super impressionnant à ce niveau-là. Et sinon, par la suite, on... D'ailleurs, ça a été dit bien plus tard, ça, au niveau du gameplay. On découvre ça bien plus tard. On peut diriger un petit peu Tricot. Quand on est sur lui, on appuie sur R1 et on reste appuyé sur R1. Et on dirige soit devant nous, soit derrière nous, à droite ou à gauche, le stick directionnel. Gauche, comme si on avançait. Et comme ça, on donne une direction à Tricot. Voilà, donc un ordre un peu plus précis. Donc après, au niveau des ordres, c'est pas non plus une précision incroyable. Hein. On lui dit pas énormément d'ordres différents. Mais rien que ça, c'est le plus important. Donc moi, ça me pose pas de problème. Qu'après, oui, de ce côté-là, quand même, ça aurait pu être mieux s'il y avait quand même plus d'ordres différents. Pour pouvoir résoudre certaines énigmes un peu plus complexes. Mais voilà, vu que j'ai pas eu de problème, pas de soucis avec l'IA de Tricot. Pour ça, franchement, ça peut passer à la trappe, hein, les différents ordres. Des fois, en plus, il y a beaucoup de jeux d'aventure où on peut donner plusieurs ordres à l'IA, mais ça change rien du tout, quoi, vu que l'IA n'est pas du tout développée, alors que dans The Last Guardian, l'IA, elle est folle. Et pourtant, on a que deux ordres. Voilà, deux styles d'ordre à donner. C'est incroyable. Donc voilà, au niveau du gameplay, voilà, c'est vraiment un jeu tout simple. Il y a quelques phases de plateforme. Mais ça, c'est vraiment secondaire, les phases de plateforme. La fin de The Last Guardian est vraiment pas du tout loupée, en tout cas. Après, quand on finit, après cette fin, et après avoir fini The Last Guardian, pourtant, c'est un jeu dans le concept, dans son concept, vu que le jeu est assez linéaire. C'est un jeu, normalement, ayant une replay value presque inexistante. Mais on a vraiment envie de refaire le jeu. Et surtout que moi, j'ai envie de le refaire avec le casque sur la tête. Parce que oui, j'ai été con, j'ai pas mis le casque. Voilà, mais le refaire pour m'imprégner encore plus, parce que l'OST est très bonne aussi, l'OST du jeu, même si il y a très peu de thèmes. Il y a des thèmes que quand on se fait attaquer par divers ennemis. Et que il y a que deux sortes d'ennemis en fait finalement dans le jeu. Bon, je vais spoiler à mort. Donc bon, la première sorte d'ennemis, c'est pas un spoil, c'est les espèces de statues. Enfin, c'est les anciennes statues. Les statues ambulantes. Qui nous suit à chaque fois. D'ailleurs, dans ce jeu, reparlons-en, la facilité de jeu est assez incroyable, car j'ai jamais eu un game over, enfin sauf en tombant dans certaines phases de plateforme assez complexes, mais sinon je suis mort juste en tombant, voilà. Sinon le reste, contre les ennemis, j'ai jamais été vaincu par un ennemi, parce que les ennemis nous prennent. On doit bourriner
à peu près tous les boutons de la manette de la DualShock 4 pour pouvoir s'en sortir. Mais à aucun moment je me suis pris par un... Enfin, j'ai perdu dans un combat. Parce que faut savoir, d'abord dans les combats, faut déjà la plupart du temps qu'il y ait Trico avec nous, parce que Trico, il met des mandales incroyables aux ennemis aux alentours, qu'il y a aux alentours. Donc ça, c'est tranquille. Mais sinon, quand Trico n'est pas là, faut évidemment s'enfuir. Parce que nous, on peut rien faire contre les ennemis. On risque assez souvent de se faire choper. Ça risque d'être d'être assez compliqué à ce niveau-là. Et ça peut un peu nous énerver, quand même. Et il y a quelque chose d'incroyable que j'ai remarqué, vraiment, mais tard dans le jeu. Il y a 4 heures, peut-être à... Ah non, même peut-être à 6-7 heures de jeu. Je savais enfin à quoi servaient les portes. Les espèces de portes un peu violettes, là, qu'on voit par moment. Et souvent en plus, elles étaient là quand il y avait des statues ambulantes. Et en fait, ces portes. D'ailleurs, j'ai failli me faire avoir une fois. Ces portes s'ouvrent que quand une statue ambulante nous chope et arrive près de la porte. Voilà. Donc, moi je suppose que si il passe la porte, Trico ne peut plus nous sauver et donc, du coup, c'est game over. Et il y a juste un moment où j'ai failli me faire avoir, mais c'est tout. Donc franchement, c'est le jeu de ce côté-là est très très facile. Il y a vraiment des moments, en plus, j'ai à moitié fait exprès de me faire prendre pas mal de fois, pour voir si au bout d'un moment ça me tuait, enfin je sais pas. Si au bout d'un moment la statue ambulante en avait marre de moi et me donnait un coup de latte dans la gueule, tout simplement. Mais non, il peut nous avoir que de cette façon. Et sinon, ils attaquent aussi Trico avec des javelots, sorte de javelots. Après, ça change pas grand chose. Je sais pas si ça tue Trico réellement. Ça l'empêche peut-être de bouger comme il faut. Mais bon, après, faut les retirer de Trico en faisant rond et arrière plusieurs fois. Et puis, enfin, restons appuyés sur rond. Et ça passe Nif. Après, à ce niveau-là, les combats, c'est vraiment le côté secondaire du jeu, quoi. C'est les phases très secondaires du jeu. Et puis le deuxième ennemi, enfin le deuxième mob du jeu, si on peut appeler ça un mob, eh bien c'est tout simplement un deuxième Trico. Parce que oui, enfin voilà, là c'est un gros spoil. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, pour ceux qui n'ont pas suivi de let's play, voilà, c'est une catastrophe. Mon dieu! Je vous ai pourri l'expérience de jeu de ce The Last Guardian. Mon dieu. Non mais voilà, c'est que à la fin on retrouve les mêmes créatures que Trico, mais qui ne sont pas très ronronnes, contrairement à Trico. Donc voilà, c'est... Ses frères d'armes ne sont pas véritablement ses frères d'armes. Voilà, tout simplement. Voilà, que dire de plus sur ce The Last Guardian? À part dire que si vous avez une PS4, et que si vous avez vraiment adoré Ico et Shadow of Colossus, en même temps, comment on peut pas aimer ce genre de jeu? C'est assez compliqué. Quand on est quand même un vrai gamer, forcément, on aime ce genre de jeu, quoi, les jeux d'exploration, d'énigmes, d'aventures. C'est ce qu'on recherche, et avec une ambiance vraiment unique. C'est ce qu'on cherche de plus en plus, parce que ça se fait de moins en moins, ce genre de jeu. Et franchement, je vais vous dire, sur PS4, franchement, les seuls jeux qui ont une ambiance unique, qui dégagent vraiment quelque chose plus qu'un simple bon jeu, ou très bon jeu, comme Uncharted 4. Et voilà, les seuls jeux, c'est ce The Last Guardian et Bloodborne. Et puis Dark Souls 3 aussi. Mais après, c'est pas forcément un jeu de PS4, Dark Souls 3. Il est sorti aussi sur diverses plateformes, enfin Xbox One et PC. Et après, voilà, la série Souls, à chaque fois, les Souls sont des jeux
Bon, même si Dark Souls 2 est un peu moins bon. Eh bien, c'est toujours des jeux qui dégagent quelque chose, ils ont quelque chose en plus. Et en plus, ils se répètent pas. À chaque nouveau Dark Souls, c'est quand même à chaque fois... C'est quand même... À chaque fois... une DA complètement différente. Donc c'est assez impressionnant sur des jeux quand même qui durent très longtemps. La plupart du temps, allez, je dirais une bonne cinquantaine d'heures. Enfin, le premier, j'ai mis 70 heures à le finir. Voilà. Et des jeux comme ça, on en trouve vraiment très peu. Des jeux qui demandent... Dark Souls, lui, demande de la skill, de la compétence. Mais The Last Guardian, lui, il propose vraiment une ambiance unique, comme Dark Souls. Et aussi, une histoire avec... finalement, une histoire simple, mais remplie d'émotions, et où à la fin, quand on finit le jeu, on a vraiment du mal à passer à autre chose, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus The Last Guardian. Un jeu absolument à faire si vous êtes un passionné de jeux vidéo. Si vous avez une PS4, eh bien, courez l'acheter, hein. Même si vous êtes sur PS4 normal et que le jeu risque d'avoir des freezes, on s'en fiche. Y a pas besoin de skill dans ce jeu. Et moi, franchement, ça m'a pas gêné plus que ça. C'est ramage par moment, mais c'est très secondaire dans ce genre de jeu. C'est vraiment... En plus, y en a pas tant que ça. Parce qu'après, y a eu des mages. Des mises à jour. Donc voilà, sur ce, voilà, graphiquement, très très bon jeu. Très beau, la DA, franchement, la direction artistique, c'est vraiment magnifique. Il n'y a jamais des ratés à ce niveau-là. Et on s'imprègne vraiment dans cette ambiance incroyable que propose le jeu. Le gameplay, c'est peut-être un petit bémol à ce niveau-là, parce que après, c'est un gameplay de 2006. Parce que ils ont rien évolué hein, par rapport à Shadow of Colossus. Et j'ai pas parlé de la caméra. Oui, j'en parle à la fin, c'est magnifique. La caméra, parfois, elle parle complètement en cacahuète. Elle va n'importe où. C'est compliqué de la contrôler, la caméra. Ah, c'est Roger qui n'arrête pas de boire. Donc voilà, c'est compliqué après. Roger, le caméraman, là, il est compliqué à diriger, hein. Faut lui donner pas mal d'ordres, hein, encore plus que Tricot. C'est compliqué. Voilà, c'est une caméra, des fois, qui part en cacahuète. Mais après, c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est quand même jouable. Hein, et... Entre nous, la caméra de Pitfall, sur GameCube et PS2 et Xbox, est encore pire. Et même d'autres jeux ont une caméra bien pire que The Last Guardian. Donc voilà, après, cracher comme ça sur la caméra, certains crachent sur la caméra. Franchement, voilà quoi, ils ont pas fait les jeux sur 128 bits, ils ont pas fait, même, il y a des jeux sur PS4 où la caméra est pire. Après, je vais pas en nommer. Mais voilà, c'est... certes, des jeux indépendants, je sais pas, des jeux indépendants 3D, ça existe peut-être. Mais voilà... Puis même God of War... Je sais pas, God of War... J'ai plus trop de souvenirs avec God of War 2... Mais en tout cas, dans le 3, ils disent que, aussi, la caméra a des lacunes. Et j'ai regardé, c'est à peu près la même caméra que The Last Guardian, finalement. Enfin, voilà. Donc voilà, une caméra moyenne. Mais ça... Ça n'empêche pas que on est complètement dans le truc, on est complètement immergé dans ce monde. Onirique, et fantastique, et énigmatique, et immense. Et je vais m'en arrêter là. Enfin bref, voilà, niveau gameplay, un gameplay à la fois très simple,
mais qui peut donner. Enfin, ils ont fait un gameplay simple avec des énigmes compliquées. C'est quand même du génie. Et niveau durée de vie normale, hein, durée de vie classique pour un jeu de cette de ce style. 10-15 heures, franchement, c'est très bien. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La jouabilité, voilà, j'en ai parlé, c'est la caméra, etc. La bande son, évidemment, faut pas oublier. Faut pas oublier. Alors oui, il y a très peu de thèmes. Mais à des rares moments, c'est à certaines cutscenes qu'on a un thème en particulier. Où c'est de l'orchestral qu'on entend, souvent c'est de l'orchestral. On a des thèmes musicaux aussi lors des phases d'action. Lors des phases d'action et de certains scripts et lors des phases de combat contre les statues ambulantes. Et puis franchement, bah, aucun thème je trouve qui est vraiment naze. Aucun thème est raté. Franchement, c'est des thèmes après mémorables. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est des thèmes mémorables, une OST incroyable. Mais c'est vraiment une très bonne OST. Après voilà, je crois que j'ai fait le point sur à peu près tout. J'ai peut-être oublié un truc comme d'habitude. Vous me direz. Mais bon après, je mettrai ça dans la description. Sur ce... Que dire de plus, un jeu culte, un jeu énorme, un jeu à ne pas louper. Achetez-le. Voilà, on se finit là-dessus. À la revoyure pour de nouvelles aventures.
アゴッジ、アジュクイ、アティスネキャタギ。
donner des costumes ugly. Oh, Royal Map.